Le message passe quoi, ça va chauffer le 15 le samedi à Cotonou. On va chanter, on va s'amuser, on va passer un super moment. Résurrection parce que je reviens un peu de loin, donc j'ai travaillé des années pour revenir à la surface parce que il y a eu un bon quand même moment de silence. J'étais entre autres dans la fondation d'Indus Social où j'ai une fondation Seuil Mavo qui s'occupe de détecter les talents et de leur donner de la visibilité afin qu'ils soient repérés par des maisons inter et donner de la force ainsi à la musique de mon pays quoi. Donc résurrection parce que j'ai été malade aussi et j'ai fait un bon moment au lit et maintenant que je suis apte pour le game à nouveau, je me suis dit il faut s'introduire avec un concept qui reflète la réalité et mon vécu. Là, on va en émission. Et on attend Mehdi. Il est en route. Soyez ma voix. Salut, salut les 18-tiques, c'est voilà. Quoi, famille? Et je vous rappelle encore, c'est la grosse surprise qu'on vous a réservée aujourd'hui, puisque demain c'est au premier d'assaut, le stade de l'amitié du général Mathieu Kérékou. Aujourd'hui, tu t'attaques au stade de l'amitié, ce qu'aucun artiste urbain n'a fait. Bon, je peux te dire que c'est la grâce de Dieu, quoi. Mmh. Voilà, donc moi j'aime faire ce que je peux faire. Ouais. Et dès que ça me parle du fond de mon âme, okay. J'y vais et je me donne tous les moyens. Mmh. Je me bats pour y arriver quoi. Moi j'ai toujours rêvé de faire ce plein et je me suis battu donc pour le réaliser. Je sais même pas pourquoi mais je me dis les autres ils font les stades dans les autres pays d'à côté. Tout le monde le fait. Moi j'ai la popularité dans mon pays, je suis bien aimé. Et pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas commencer par faire la chose qui va nous avantager tous pour que les gens puissent s'habituer, que ça devienne une culture, qu'on fasse ça tout le temps. Dibi est un artiste qui a emmené la musique béninoise, la musique urbaine béninoise, on va dire qu'il a, il a réussi à trouver une identité à la musique béninoise en son début de carrière. Donc il est vraiment sorti, fait partie des premiers artistes à avoir exposé le Bénin sur la scène internationale. C'est l'une des fleurs rares qui vient du côté, je peux dire, des îles. Comment tu vas, Lincha? Bienvenue. Merci, ça va très 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 bien. Content d'être parmi vous. Déjà, je suis content parce que Lincha, comme Mr. Mehdi, c'est des amis. Alors, donc ils sont pas venus à ce concert pour jouer la star avec, ils n'ont pas fait la star avec moi. Donc, c'est encore preuve de considération et ça m'a beaucoup touché. Dibi d'abord. Voilà bro. Comment tu vas? Ça va bien. Et toi, t'es prêt pour demain? Absolument. Ok. Moi, j'ai déjà mon ticket avec moi. Au top. Super. Mon frère. On est ensemble. Voilà, surtout avec Mamacita, je pense que ouais. C'est gratuit demain. C'est du live, hein. Prépare-toi. Hein. Pérero. Ouais, Nani. Pérero. Moi, je suis amoureux de ma copine, elle c'est Anita. Soyez ma vote 2, la tour de piste. Pourquoi? Parce que ça paraît penché, mais c'est solide et c'est debout. Ça paraît incliné, mais c'est debout, c'est solide, c'est équilibré, c'est stratégique. Donc c'est pour rassurer mes fans que je suis toujours là. La tour de piste, soyez ma vote 2. 17 titres. Ce soir, le fils du pays est de retour, mon gars. C'est la résurrection, tu vas voir clair. Soyez ma vote. Moi, je suis amoureux de ma copine, elle c'est Anita. Elle me dit que ses copines, elles sont toutes aimes de moi.
Ouais. Je suis content, enfin, on finira par avoir quand même une super lumière. La caméra elle est dingue. Je dirais c'est d'abord très bien pour David Dobor et aussi pour la jeunesse. Car c'est quelqu'un quand même qui de un artiste jeune qui a quand même percé. Et ça fait plaisir de le voir revenir. Je sais qu'il a subi, qu'il a eu beaucoup de problèmes de santé. Et le voir revenir avec la forme, je pense que c'est tout un bonheur pour la jeunesse. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à être avec lui, là, hein, à le soutenir et dire que je donnerai, je pousserai très fort pour que son concert soit meilleur. Et aujourd'hui, Dibi, c'est quelqu'un, je peux dire, c'est une immensité pour cette génération qui fait, je peux dire, la transition entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Dibi fait partie des ambassadeurs de cette génération. Déjà, Dibi, c'est un artiste que je respecte énormément. Il est, comme le disent, il est jeune, il est free, il est sympa, il se la joue pas, il se la pète pas, mais alors là, du tout pas. Il est simple et il fait du bon boulot. Et je crois que si beaucoup d'artistes béninois pouvaient faire comme lui, hein, ne pas s'enfermer dans du mimétisme BA, et faire quelque chose d'original, comme il le fait, je crois que ce serait le Bénin gagnerait beaucoup. Parce qu'il faut avouer que le Bénin est absent. Le Bénin est absent à beaucoup de rendez-vous sur le plan musical. Et aussi, les gens disent souvent que le Bénin, on n'a pas la culture de spectacle. Mais si nous-mêmes, les artistes, on n'essaye pas de commencer à faire, en tout cas, à se lancer des défis, ça ne pourra jamais arriver. Bah pour le concert qu'il organise, c'est vraiment cool parce que c'est un défi pour tous ceux qui font de la musique urbaine, en fait. Je pense que s'il réussit ce pari, ça sera la musique urbaine qui aura gagné. Test. 1, 2, micro libre, test. Ouais, c'est les balances, donc ça se passe super bien. Vous voyez que le public même est impatient, il y a déjà de l'entrée. Tout ce qu'on souhaite maintenant, c'est la grâce de Dieu, que l'événement se passe très bien, qu'il n'y ait pas de trucs bizarres. Donc moi, j'ai travaillé dur. C'est maintenant le moment de savourer en faisant un bon live, à faire plaisir au public et voilà. Je suis arrivé pour soutenir un jeune béninois, un jeune créateur béninois, un créateur de musique. Il a réussi à imposer sa langue sur la scène internationale. Vous verrez tout à l'heure quand ça va commencer, il est en communion avec le public. Quand Dibi entonne une chanson, vous avez l'impression que les spectateurs sont ses cœurs. Parce que les gens connaissent ces chansons par cœur, s'identifient. Vous allez voir tout à l'heure, moi je suis venu pour assister à une très belle communion. C'est une fierté pour moi de voir que notre star Dibi a pu organiser un truc comme ça. Et je suis vraiment honoré de participer parce que tout à l'heure je vais prester. Et franchement, je suis très fier d'être béninois ce soir. Est-ce que ça va, Tottenham? Est-ce que vous êtes ça? Je vois la lumière des portables, s'il vous plaît. On va faire briller la lumière. Enfants non mi bessi, tata bozon en cou. J'étais tout petit, à la boubouille au nom de 10. À vous, je te cache, on la crise. Est-ce que tu te rappelles, mon ami? On était sous des grands détestes, on aimait s'amuser, on aimait jouer. On aimait couvrir les pâtés de ta vie, non, on n'aimait pas voler. Je vous sens pas ce soir, est-ce que les dimitiques sont de la partie? Est-ce que les téléphones peuvent s'allumer? Ndossi Africa, tu peux vivre demain. Yellow Yellow Bénin, Bénin. Oison va flotter au Bénin. Bon bref, Manika si on peut au Bénin. Tu le connais, les envois les noms, mon grand des mains. Tu le connais, les dingues, les noms, mon grand des mains. Quand tu mets, quand tu mets, nos vies, ouais, on a deux mains, on veut, mais aussi, que les villes, c'est pas grand des mains. Tiens!
pour nous. Tout le monde. Spécialement pour la sortie de l'album donc de Dibi Dobo, sur lequel j'ai pu j'ai participé en fait sur un duo avec lui et on a fait un beau concert. Alors un concert dans un stade, il y avait énormément de monde et franchement j'ai passé un très bon moment. Et ce qui est marrant sur ce concert, c'est que il a déjà plu hein, lorsque je chante. C'est un peu rare, mais il a plu, on s'arrête. On arrête tout d'habitude. Et là, non, on a continué à chanter, on était trempés, que ce soit le public, que ce soit moi-même, de voir que le public, malgré la pluie, est resté. Allez, on s'est déshabillé. Bon, pas complètement, bien sûr. On s'est dit, on reste sous la pluie et on chante. Il y avait une telle ferveur, ce public attendait Dibi Dobo depuis longtemps. Ça me motive à continuer, quoi, de rêver gros. Parce que je sais que il y a mieux à faire. À chaque fois que quand tu atteins un objectif, il y a toujours mieux à faire. Il y a le next level. Et donc là maintenant, actuellement, je suis déjà focus sur le next level. Donc je remercie déjà Lincha, Mr. Mehdi, Ed Shankara et tous les autres qui m'ont donné de la force depuis loin. Et voilà quoi, tous les autres artistes, on love quoi. Je suis un peu plus de temps.